Et bah bonjour à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est super, et bienvenue pour ce demi-finale de Mon Euro 2020. Donc aujourd'hui, Allemagne-Belgique, donc un très gros match, donc en espérant que nous allons gagner ce match pour aller cette fois-ci en finale. Donc voilà, donc moi maintenant je vous laisse avec le match, en vous souhaitant un très bon match à toutes et à tous, et moi je vous dis à tout de suite pour aller voir qui sera en finale, donc à tout de suite. Merci Louis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Kourama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en direct du Signal Iduna Park de Dortmund où se déroule cette magnifique demi-finale, digne d'une finale entre deux grosses nations du football. D'un côté l'Allemagne, de l'autre la Belgique avec des compositions habituelles et donc très certainement de magnifiques performances que nous allons voir sur ce terrain. Le Signal Iduna Park entre l'Allemagne et la Belgique. Premier coup d'envoi qui va être donné à l'instant avec un ballon en possession de l'Allemagne avec Sami Khedira. D'entrée de jeu pour Timo Werner. Ballon perdu en faveur des Diables Rouges. Et Marouane Fellaini qui peut relancer son équipe avec un long ballon pour Christian Benteke, mais il est bien trop long pour trouver le buteur de Crystal Palace. Et ça revient dans les pieds de l'Allemagne avec Jérôme Boateng. Jonas Hector. Timo Werner, que l'on ne présente plus, hein, bien évidemment, l'ancien joueur de Leipzig qui vient de signer à Chelsea, qui perd son ballon. Et ça repart de plus belle dans les pieds des Diables Rouges avec Nasser Chadli, qui attendait du soutien sur le flanc droit. Malheureusement, ce soutien n'est pas venu. Ça repart une nouvelle fois dans les pieds de la Mannschaft, avec Marouane Fellaini qui récupère ce ballon. Jordan Lukaku pour Steven Defour. Christian Benteke. Premier ballon, botté et détourné. Et Kevin De Bruyne, qui à son tour vient botter son ballon, détourné par les mains de Manuel Neuer. Et ça repart en dégagement avec Timo Werner. Amine Younes, une nouvelle fois, qui vient chercher Timo Werner. Attention, la première percée de Timo Werner. Ballon contré, bien joué de la part de la défense des Diables Rouges. Marouane Fellaini qui peut relancer la machine belge. Et une première faute sur Steven Defour qui va pouvoir botter le premier coup franc de cette rencontre pour Eden Hazard. Steven Defour. Eden Hazard. La frappe d'Eden Hazard détournée par Manuel Neuer. 13e minute de jeu et déjà une lourde frappe de la part d'Eden Hazard. Occasion la plus dangereuse jusqu'à présent. Et des Diables Rouges qui dominent hein, dans ce premier quart d'heure avec Nasser Chadli. En possession du ballon pour Dries Mertens. Dries Mertens une nouvelle fois sur le flanc droit. Il se débarrasse de toute la défense. Dries Mertens qui va pouvoir centrer. Le centre de Dries, il ne trouve personne malheureusement. Et ça repart une nouvelle fois en contre-attaque avec Thomas Müller. Pour Mesut Özil. Toni Kroos qui n'a pas eu le temps de partager ce ballon. Et ça repart dans les pieds des Belges avec Christian Benteke. Ah, on attendait l'ouverture sur Eden Hazard, malheureusement. Sami Khedira pour Toni Kroos. Toni Kroos qui attend un petit espace pour Timo Werner, c'est fait. Timo Werner à présent détourné par Marouane Fellaini. Bien joué de la part du milieu central. Malheureusement, ça revient une nouvelle fois dans une contre-attaque allemande. Amine Younes qui voit son ballon perdu en faveur de Nasser Chadli. Christian Benteke. Et ça repart pour Eden Hazard qui manque de précision dans sa passe et qui voit son ballon repris par la Mannschaft avec Amine Younes. Amine Younes, petit nouveau hein, de cette équipe d'Allemagne. La frappe de Younes qui passera du poteau. Première occasion franche pour l'Allemagne. Thibaut Courtois s'est fait quelques frayeurs sur cette première occasion. C'est Marouane Fellaini à présent qui est en possession du ballon, mais le ballon est perdu et revient une nouvelle fois dans les pieds de l'Allemagne avec Mats Hummels pour Jonas Hector. Dries Mertens qui vient placer son pied au bon moment pour récupérer ce ballon. Dries Mertens sur le flanc droit, le centre de Mertens. Et cette fois-ci, il trouve Benteke, l'ouverture du score malgré un ballon détourné par Manuel Neuer du bout des doigts, ça n'aura pas suffi pour garder la cage inviolée. Et c'est Eden Hazard hein,
Et non pas Christian Benteke, excusez-moi. C'est Eden Hazard qui ouvre le score. En bon capitaine, 0-1 pour la Belgique à la demi-heure de jeu. Dans une rencontre très serrée hein, entre deux belles nations. On assiste pour le moment à l'une des plus belles rencontres de cet Euro avec Dries Mertens une nouvelle fois. Qui aurait pu doubler la mise, mais cette fois-ci Manuel Neuer s'étend de tout son long sur sa ligne de but pour ne plus encaisser. Et ça repart une nouvelle fois dans les pieds des Belges avec Alderweireld pour Fellaini. Eden Hazard pour Christian Benteke. Steven Defour, ça va très vite. Hein. On joue quasiment en tiki-taka. Vraiment un jeu à 11. Très efficace. Yamine Younes qui récupère ce ballon pour Thomas Müller, mais le ballon est récupéré par les Diables Rouges et notamment Vincent Kompany qui dégage ce ballon en avant. Mais c'est récupéré une nouvelle fois par la Mannschaft avec Yamine Younes. Timo Werner qui attend peut-être un soutien. Il vient chercher derrière Yamine Younes. Yamine Younes qui arrive dans la surface de réparation. La frappe d'Yamine Younes captée en un temps par Thibaut Courtois. Arrêt propre et précis de la part du portier du Real de Madrid. Et ça revient dans les pieds de la Mannschaft avec une nouvelle fois Yamine Younes. Très impactant dans cette première période. Hein, le jeune prodige. Kevin De Bruyne qui n'arrive pas à se dégager. La frappe de Timo Werner, elle manque de puissance pour tromper Thibaut Courtois. Et ça permet une nouvelle fois à la Belgique de garder cette avance d'un but à zéro. Je le rappelle, hein, ouverture du score par Eden Hazard à la demi-heure de jeu. Et on va bientôt siffler. La mi-temps de cette rencontre avec le centre de Nasser Chadli. La frappe de Benteke, c'est pas fini. Eden Hazard qui aurait pu doubler la mise. Il préfère passer à Defour qui centre pour la frappe de Mertens. Détournée une nouvelle fois par Manuel Neuer. C'est pas fini. Mon Dieu Seigneur, il va y avoir un deuxième but hein, là. Ça ne va pas tarder. Penalty avec Christian Benteke qui voit son ballon détourné par Manuel Neuer. Ce n'est pas pour rien que ce gardien est l'un des meilleurs gardiens d'Europe actuellement. Hein, mais quelle première période incroyable. 9 tirs à 4. 9 tirs cadrés pour les Diables Rouges à 3. C'est une première période parfaite de la part des Diables Rouges qui mène d'un petit but dans cette première période. On se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps. Allez les amis, coup de sifflet d'envoi de cette deuxième période avec Jordan Lukaku pour Vincent Kompany. On le rappelle, en première période, un penalty qui aurait pu doubler la mise pour les Diables Rouges. Et Manuel Neuer a fait un travail remarquable sur cet arrêt. Toujours 0-1 pour la Belgique avec Yamine Younes qui perd son ballon pour Toby Alderweireld. Vincent Kompany pour Steven Defour. Eden Hazard, Defour une nouvelle fois. Que l'on a connu notamment en Belgique au Standard de Liège, à l'Antwerp ou encore à Malines. Dries Mertens qui n'arrive pas à capter ce ballon. Ça repart pour Toni Kroos. Yamine Younes. Qui tente une frappe de loin. Bien captée par Thibaut Courtois. Malgré la dangerosité de cette frappe. Et c'est Toby Alderweireld. Qui relance avec Marouane Fellaini. Long ballon transversal pour Eden Hazard. Ça vient dans les pieds de Steven Defour. Très propre. Cette contre-attaque rondement menée. Steven Defour une nouvelle fois. Le centre de Defour. Ah, il ne trouve pas Benteke, c'est dommage. Et ça relance pour l'Allemagne avec Timo Werner. Yamine Younes qui perd ce ballon face au forcing de Kevin De Bruyne. Vincent Kompany, Steven Defour. Joshua Kimmich qui est très polyvalent. Il peut à la fois jouer en milieu droit ou en défenseur latéral. Joueur très polyvalent. Mais qui voit sa contre-attaque stoppée par les Belges. Et cette fois-ci, c'est Marouane Fellaini qui essaye de passer le flanc droit. Il y arrive, le centre de Marouane. Allez, Eden Hazard, doublé d'Eden Hazard. Exceptionnel Eden qui double la mise de la tête. Tête piquée sur ce centre de Marouane Fellaini. On va revoir le ralenti. Tête piquée qui trompe justement via le rebond Manuel Neuer. Et c'est 0-2 pour la Belgique à l'heure de jeu. Cette fois-ci, on siffle une faute en faveur de l'Allemagne avec Mesut Özil pour Thomas Müller. Et bien pour l'instant, on peut dire que les Diables Rouges nous ont ébahis par leur campagne européenne. Très bonne performance de la part de la Belgique.
avec Dries Mertens actuellement pour Eden Hazard. Steven Defour. La frappe croisée de Defour, mais elle est trop croisée. Et via les flancs comme ça, c'est très difficile. Et le premier changement dans cette rencontre, c'est la montée au jeu de Julian Draxler à la place de Mesut Özil. Le Parisien qui remplace le milieu d'Arsenal. Toby Alderweireld pour Jordan Lukaku. Vincent Kompany. Vincent Kompany pour Dries Mertens. Christian Benteke. La frappe lointaine de Benteke qui frôle le montant. On va voir ce ralenti, mais elle passe pas très loin. Elle passe un petit mètre, mais c'était une belle occasion de la part de Christian Benteke. Joueur de Crystal Palace en première ligue anglaise. Steven Defour. Jordan Lukaku. Vincent Kompany. Steven Defour. Qui avait tenté un centre lobé pour trouver Benteke, mais Benteke n'a pas eu le temps d'accélérer. Le ballon était bien trop loin. On le revoit au ralenti. Christian Benteke n'a pas eu le temps de lancer l'accélération adéquate. Mais attention, il récupère le ballon, Benteke, pour Kevin De Bruyne. Et on vient solidifier la défense avec Thibaut Courtois. Jordan Lukaku qui lance un long ballon pour Christian Benteke, nouvelle fois contré. Amine Younes qui récupère ce ballon pour la Mannschaft. Timo Werner. Timo Werner pour Amine Younes. Amine Younes qui arrive dans la surface de réparation, contré par Vincent Kompany. Mais attention, ce ballon perdu. Oh, le Méli-Mélo et le but. La réduction du score pour l'Allemagne. Via Timo Werner, je vous l'avais dit en début de rencontre, c'est un joueur qu'on ne présente plus. Et on le voit là, l'erreur de Vincent Kompany, le 1-2, un petit peu Méli-Mélo avec Jordan Lukaku, qui a profité à Timo Werner pour réduire l'écart. Attention, il reste un quart d'heure. Essayez de ne plus encaisser et ainsi décrocher le ticket adéquat pour cette finale d'Euro 2020. Le corner, la frappe de Benteke, enfin pardon, la tête de Christian Benteke qui est captée par Manuel Neuer qui fait un long dégagement. Ça revient dans la défense des Diables Rouges avec Vincent Kompany qui à son tour dégage pour Eden Hazard. Eden Hazard qui accélère tant bien que mal et qui arrive au forcing à obtenir ce ballon. Le centre d'Hazard pour Mertens. Ça ne trouve personne et ça revient dans les pieds des Diables Rouges avec la frappe de Dries Mertens. Contré par les mains de Manuel Neuer. Et un nouveau corner avec Nasser Chadli et Dries Mertens qui, à la conclusion de cette action, ne trouve pas le chemin du but. Steven Defour. Une nouvelle fois une faute en faveur des Diables Rouges. Le milieu de Malines va pouvoir se relancer avec Eden Hazard. Steven Defour. Steven Defour qui va pouvoir centrer sur le flanc gauche. Le centre de Defour pour Mertens, ça, dommage, contré par Mats Hummels. Et Vincent Kompany qui récupère ce ballon pour Jordan Lukaku, Kevin De Bruyne. Vincent Kompany, Steven Defour, très solide hein, dans cette rencontre, Steven Defour, très présent. Et Thomas Müller qui relance pour Mats Hummels. Thomas Müller une nouvelle fois. Timo Werner. Timo Werner qui attend du soutien. Il n'y a personne qui le suit malheureusement pour l'Allemagne. Et Steven Defour qui va pouvoir relancer la contre-attaque belge avec Eden Hazard. Ballon perdu. Des échanges de fin de match qui sont un petit peu plus fébriles. Mais vu l'intensité de la rencontre, on peut le comprendre. Avec Toni Kroos, le milieu du Real de Madrid. Qui connaît bien justement Thibaut Courtois. Qui va peut-être essayer de le tromper. La frappe de de Toni Kroos. Capté par Thibaut Courtois qui sauve quasiment les derniers espoirs des Diables Rouges allant en finale. Dries Mertens pour Christian Benteke. Sami Khedira qui a peut-être relancé une dernière contre-attaque pour la Mannschaft. La dernière sinon rien. Et non, elle est contrée par Nasser Chadli. C'est fini les amis. 2-1 pour la Belgique. Les Diables Rouges iront donc en finale affronter soit de la Serbie, soit de la Lettonie. Moi maintenant je vous laisse avec Louis pour découvrir le score de l'autre rencontre. Et on se retrouve pour la finale. À bientôt.
Donc regardons tout de suite les scores des autres pays. Donc tout d'abord Lettonie, Serbie 0-1 et Allemagne, Belgique 1-2. Donc voilà, donc moi je vous dis à dans 5 jours pour la grande finale de cet Euro 2020 qui sera la Serbie contre la Belgique. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre beau gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner juste ici et garder ma dernière vidéo juste là. Bon, il faut cliquer un moment là. Je pense à Timarama. C'est bon?